Bonjour à toutes et tous, bienvenue ici au stade de Sainte-Germaine à Bordeaux. Ce coup d'envoi. De Meyer, rentrée dans la surface de réparation. Oh la main, et ce sera un pénalty pour les Bordelais. Et certainement ajusté proprement et en plein axe. La gardienne Laetitia Philippe, 1-0 pour Bordeaux dès la 10e minute de jeu. Ça ne pouvait pas mieux démarrer. Oh, superbe, superbe geste, et superbe frappe, et superbe arrêt. Et c'est pas terminé, le deuxième ballon, et à nouveau, quel arrêt de Justine Leroux. Elle va pouvoir centrer, le bon centre, la reprise, attention au deuxième poteau, et l'arrêt encore extraordinaire de Justine. Ah oui, c'est bien trouvé, ah, ça sera signalé en position de hors-jeu, elles avaient fait presque tout bien. Compliqué pour l'attaquante havraise, et c'est la pause. Indiqué par ces deux coups de sifflet de Madame Beyer. Avec Kans qui va pouvoir mettre le ballon dans la surface de réparation. Il n'y a personne. Attention à la reprise qui passera. FA. La ligne à Jim au deuxième poteau et l'égalisation à l'instant de Kans sur ce centre de Alina Jim. Un partout et cette égalisation est méritée pour les Havraises qui se positionnaient depuis 5 bonnes minutes dans les 30 derniers mètres. Oh, c'est bien joué, c'est bien trouvé et c'est bien paradé. On va inventer. Un petit énervement là entre Atlus et ce sera terminé sur ce score de parité comme on l'avait bien prédit.